Sorti le 26 février 2024, développé et édité par Silver Age Studio, Gods Against Machines est un mélange de shoot'em up, de simulation divine et de roguelite. Vous vous réveillez suite à l'appel à l'aide d'une divinité, Gaïa, car son monde est en danger, et vous demande de rejoindre ce qui deviendra votre nouveau foyer si vous acceptez. Grâce à des pouvoirs, vous allez pouvoir arrêter l'invasion extraterrestre qui se profile et redonner un semblant d'équilibre à cette planète. Après avoir choisi une origine parmi les 4 proposées, à savoir les pouvoirs de feu, d'air, de terre ou de foudre, puis choisi un sort principal, vous voilà arrivant à la surface de la planète. Puis plus tard, devoir choisir son lieu d'apparition, avec un niveau de difficulté plus ou moins adapté en fonction de celle choisie. Et c'est là que le travail commence, car des machines avancées niveau technologique sont à la surface afin de corrompre la planète. Il va falloir donc s'en débarrasser afin de garder cet astre intact. Des cristaux de mana sortiront du sol, générés par Gaïa, afin de vous permettre, outre de les protéger, de placer des bâtiments et donc une production passive d'unités de combat, luttant elle aussi contre les robots et les bâtiments en perpétuelle reconstruction. Si votre sort est assez fort généralement, parfois il sera inutile, les machines ayant développé des zones de non-magie. Quand vous avez repoussé les ennemis, ils enverront généralement un boss aux multiples techniques bien plus fort que le reste. Une fois terrassé, vous aurez gagné, et les récompenses seront distribuées en fonction de votre rapidité et de l'avancée de la corruption. Vous récupérez de nouveaux sorts et des buffs, ainsi que la possibilité d'améliorer vos compétences, mais aussi celles de Gaïa. A vous de choisir si vous voulez développer l'offensive, le mana, la production plus rapide de ressources, ou indiquer plus efficacement la corruption. Vous pourrez rencontrer aussi des bénédictions sur la carte qui pourront vous apporter leur soutien, et une puissante force de frappe ou bien des bonus. A vous de jouer. Merci d'être resté 2 minutes, on se dit à la prochaine. Ciao.